J'habite toujours ici, avec elle. Je voudrais partir, mais ce n'est guère possible. Je ne sais comment l'expliquer, comment le dire. Alors je ne le dis pas. Antoine pense que j'ai le temps. Il dit toujours des choses comme ça. Tu verras. Tu t'en es peut-être déjà rendu compte. Il dit que je ne suis pas mal. Et en effet, si on y réfléchit, et en effet, j'y réfléchis. Je ris. Voilà, je me fais rire. Et en effet, je n'y suis pas mal. Ce n'est pas ça que j'ai dit. Je ne pars pas, je reste. Je vis où j'ai toujours vécu, mais je ne suis pas mal. Peut-être, est-ce qu'on peut deviner ces choses-là? Peut-être que ma vie sera toujours ainsi. On doit se résigner. Bon, il y a des gens, et ils sont le plus grand nombre, il y a des gens qui passent toute leur existence là où ils sont nés, et où sont nés avant eux leurs parents. Ils ne sont pas malheureux, on doit se contenter. Ou du moins, ils ne sont pas malheureux à cause de ça. On ne peut pas le dire. Et c'est peut-être mon sort, ce mot-là, ma destinée, cette vie. Je vis au second étage, j'ai ma chambre, je l'ai gardée. Et aussi la chambre d'Antoine, et la tienne encore si je veux. Mais celle-là, nous n'en faisons rien. C'est comme un débarras, ce n'est pas par méchanceté. On y met les vieilleries, qui ne servent plus mais qu'on n'ose pas jeter. Et d'une certaine manière, c'est beaucoup mieux. Ce qu'ils disent tous lorsqu'ils se mettent contre moi. Beaucoup mieux que ce que je pourrais trouver avec l'argent que je gagne si je partais. C'est comme une sorte d'appartement. C'est comme une sorte d'appartement, mais... Et ensuite j'arrête. Mais ce n'est pas ma maison. C'est la maison de mes parents. Ce n'est pas pareil. Tu dois pouvoir comprendre cela. J'ai aussi des choses qui m'appartiennent. Les choses ménagères, tout ça. La télévision et les appareils pour entendre la musique. Et il y a plus chez moi là-haut. Je te montrerai. Toujours Antoine. Il y a plus de confort qu'il n'y en a ici-bas. Non, pas ici-bas, ne te moque pas de moi, qu'il y en a ici. Toutes ces choses m'appartiennent. Je ne les ai pas toutes payées, ce n'est pas fini, mais elles m'appartiennent. Et c'est à moi, directement, qu'on viendrait les reprendre si je ne les payais pas. Et quoi d'autre encore? Je parle trop, mais ce n'est pas vrai. Je parle beaucoup quand il y a quelqu'un, mais le reste du temps, non. Sur la durée, cela compense. Je suis proportionnellement plutôt silencieuse.